Près de 13 millions de Français ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid. C'est presque 20% de la population. oui Désormais, toutes les personnes de plus de 60 ans peuvent se faire vacciner. Même chose pour les plus de 50 ans qui ont des comorbidités. L'obésité en fait partie. Mais comment faire pour les personnes de moins de 50 ans qui en souffrent Rien n'est encore prévu pour elles. Et pourtant, Victor Delande, elles sont tout aussi vulnérables face au Covid. Oui, il y a environ 3,5 millions et demi de Français de moins de 50 ans qui souffrent d'obésité. C'est le cas d'Alina Constantin, 45 ans, depuis des mois elle sort très peu de chez elle pour ne pas attraper le virus. Elle a essayé de se faire prescrire le vaccin auprès de son médecin traitant mais rien à faire. Et aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi les personnes obèses ne sont pas prioritaires dans la campagne de vaccination. Dans les services de réanimation, on est engorgé par des personnes qui arrivent avec forte obésité ou obésité et surpoids, qui sont de plus en plus jeunes. Donc la réalité, elle est là. Elle fait peur et puis c'est pas normal. On n'est pas des citoyens de deuxième classe. Certaines personnes obèses de moins de 50 ans sont même obligées de ruser pour se faire vacciner. Une incohérence que souligne Agnès Morin, cofondatrice de la Ligue contre l'obésité. Il y a des inégalités sur le territoire. Tenez-vous bien que ce week-end, l'ARS et Grand Est et le préfet ont demandé d'ouvrir un centre de vaccination dédié aux patients souffrant d'obésité à partir de 18 ans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, lorsqu'on habite à Strasbourg, on peut se faire vacciner si on a 20 ans et pas ailleurs sur le territoire. Elle réclame d'urgence la vaccination pour toutes les personnes obèses sans critère d'âge et avance un chiffre pour insister sur l'urgence de la situation. Près de 40 000 personnes souffrant d'obésité sont mortes du Covid depuis le début de la crise. Les explications de Victor Delande.